écoutez, moi je suis présent parce que je crois que c'est la défense de l'intérêt général, de Belfort, des Belfortins. Je profite pour aller faire le clivage politique. C'est l'existence même de Belfort, son âme, qui est mise à mal par un projet aberrant. Que pensez-vous de ce projet? C'est un très mauvais projet qui va en fait relayer Belfort à un rang de sous-préfecture, alors que nous avons quand même une préfecture, nous avons un tribunal de grande instance, nous avons vraiment un département à part entière qui a été obtenu parce qu'on s'est battu depuis des années pour le gagner. Et puis maintenant, avec ce projet, il est clair qu'on est en train de déploter le territoire de Belfort, on est en train de marquer des buts contre Belfort, c'est ça parce que M. Besnaud a imaginé cette fermeture de tribunal. Êtes-vous satisfait de la mobilisation aujourd'hui? Oui, ben effectivement, les Belfortins sont nombreux. Nous avons signé plusieurs milliers de pétitions déjà. Les gens sont venus, bon, en trois jours, c'était pas évident hein, de rassembler le monde. Il y a quand même ici 1500 personnes aujourd'hui. Je crois que c'est un signe important. Les Belfortins de tous les horizons politiques sont là. Ils n'ont pas vraiment envie de se laisser faire.